retrouver ce stade Vélodrome avec cette ambiance-là, avec un nouvel entraîneur très excitant. On va attendre quelques matchs, mais c'est vrai que là, avec l'entraîneur qu'on a cette année, son projet de jeu et les recrues qui sont là, si la mayonnaise prend, on devrait se régaler cette saison et ça va compenser l'année dernière. À mon avis, il y a une bonne équipe. Le Greenwood, c'est un joueur anglais. Celui-là, il va leur faire du mal. Il va leur faire du mal. Vous venez de fêter vos 92 ans. 92 ans, oui. Le 14 août. L'OM, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi, c'est tout. C'est pas la peine de... Quand je parle de l'OM, même quand je suis un peu fatigué, je viens quand même. On est présent, on est là pour les soutenir, on veut du spectacle et on veut kiffer, on veut vraiment kiffer. Période, on a la possession, globalement on a la possession, 5 occasions de Wai, c'est un peu dommage. En tout cas, bonne période, j'espère qu'ils vont faire la même chose en deuxième. Je pense que devant c'est vraiment bien trouvé, c'est prometteur pour la deuxième mi-temps. Et on aurait dû mener 2-0 à mon avis. Ça serait bien qu'on puisse creuser l'écart, parce que voilà, contre Brest on a bien réussi, donc ça serait bien qu'on fasse pareil à la maison quoi. On a une mauvaise période là, on se fait un peu dominer. Après, ben, comme j'ai dit, un match 90 minutes et
Et j'espère que Wahi il fera des différences parce que depuis le début du match c'est compliqué. Et comme j'ai dit, allez l'OM, on y croit nous en tout cas. Pour un retour à la maison, ça fait un peu de mal de faire un 2-2, de rester sur un match nul. Mais bon, je compte toujours sur eux, je sais qu'ils vont se rattraper dans pas longtemps, c'est bon. Greenwood, je pense que c'est lui qui va réussir à débloquer toutes les situations, il va réussir à apporter offensivement. C'est lui qui vient percuter, c'est lui qui vient faire toute l'animation offensive. Franchement, Greenwood a un très bonne recrue. Il n'y a pas manqué grand-chose, on a pris deux buts coup sur coup. On a manqué de concentration un peu au début de la seconde période. Il faut se rappeler que c'est une équipe qui ne se connaît pas encore, donc au fur et à mesure de la saison, on va avancer et on va savoir trouver les solutions.